Produire 100% local et atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est le rêve des pouvoirs publics au Fénois. Mais nous sommes encore trop dépendants des importations maritimes. Il nous faudrait plus de terres cultivables et plus d'agriculteurs. La foire agricole est même là pour nous le démontrer. Ray Hiriho et Jacques Damour y ont rencontré quelques exposants. Du fa à pou à l'assiette, c'est le thème de la 36e foire agricole du Fénois. Rien de compliqué en théorie, mais dans la pratique, les restaurateurs ont du mal à s'approvisionner en produits locaux. Produits locaux en ce moment, c'est difficile à trouver le manioc, patate douce, tarou, hein, taroua, le fil. Hein. Très difficile à trouver ces produits-là. Mais les concombres, les tomates, tout ça, c'est facile à trouver, hein, trouver un peu partout. Hein, ouais. Juste à côté, le stand voisin propose du ma'at Haïti. Mais là également, certaines commandes ont été passées au Raroumatei il y a plus de 3 semaines. Des îles principalement, c'était du coco, de taha, du manioc de taha, de huahine, c'était du mitihoué, et des pareil de taha, c'était des umara aussi. Voilà. Un constat partagé par les agriculteurs présents à Outoumoro, selon eux, tout comme en métropole, les fruits et légumes du Fénois suivent un calendrier de saisonnalité, mais il faudrait également multiplier par 2 notre production pour satisfaire la demande. Quand ils appellent, il n'y en a pas, mais on leur dit qu'il n'y en a pas. On ne peut pas inventer aussi. On propose. Le but de demain est de vraiment réduire l'importation. Et pour arriver là, il faut de la terre et des agriculteurs et de la bonne volonté. Pour arriver à cette finalité, le chemin est encore long. Mais en attendant, vous pouvez profiter des produits locaux vendus à la foire agricole jusqu'à dimanche. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.